Salut tout le monde, c'est Adrien pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci de base de deck et de recherche. Donc je vais commencer par vous présenter la base de deck. Voilà, j'ai une base. Voilà. Ce qui n'est pas au trad, hein, bien sûr, hein. C'est mes recherches principales. Donc je commence avec 3 Hammer Shark. C'est la base de mon deck. 3 Shocktopus. 3 Zimeruka, il m'en faut un troisième. J'en recherche un troisième. 3 Manta Agile. 3 Ratcatcheurs, il m'en faut deux autres. 3 requins autocollants, pareil, il m'en faut deux autres. Grande Mâchoire et Mobius. Voilà la base. Je jouerai aussi deux Veilers. Voilà. Deux Veilers. Les magies. Deux poissons carnivores. Un troc de poissons. Deux ou trois murènes de cupidité. Il m'en faut une ou deux. Je sais pas en combien de fois la jouer. Deux capture splash. Ah, trois, c'est trop. La troisième, elle est dans l'inside. Alors, j'en ai deux. J'en ai deux et la troisième, elle est dans le side. Et vague de Poséidon, il m'en faut une deuxième. Il m'en faut une deuxième et il m'en faut une deuxième. Voilà la base. Après, l'extra deck, c'est l'extra deck classique, hein, des rangs 3, des rangs 4. Voilà quoi. Tout le monde connaît les extra decks maintenant. Donc il me faut aussi deux lanciers rayons sombres ultra méga prio. Deux lanciers rayons sombres. Voilà. Je recherche aussi du full rareté pour mon deck hero. C'est un bubble beat quoi. Donc deux nouveaux néos sans secrète. Les staples en full rareté, etc. etc. Voilà. J'ai un deck Dark World à la rigueur qui peut peut-être être à l'échange. Voilà. Enfin, une base Dark World plutôt. Ben oui, quasiment le deck au complet, mais une grosse, grosse, grosse base. Voilà. À plus YouTube.